Et bonjour tout le monde, c'est Asgard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dredge à bord de notre chalutier. Aujourd'hui, l'objectif, eh bien, c'est d'atteindre les 400 $, 410 $. Ça va être dur pour pouvoir acheter la ligne hydraulique, pouvoir commencer à pêcher dans l'océan, s'y récupérer également des planches et des ferrailles et de la ferraille pour pouvoir aller les donner. Oui, c'est bien ici. À l'architecte qui en a besoin pour bâtir une maison à pointe d'acier dans le nord. Et puis après, il y a aussi une autre relique à aller chercher plus au sud-est. Bon, nous verrons bien. On passera aussi voir le panier de crabe. Alors là, longue vue, on va commencer par ça. J'ai des raies pastenac, je pense que les raies pastenac ça peut bien rapporter. Il y a du dragage aussi à faire là-bas. Let's go. Let's go. Donc là on est vraiment dans un moment du jeu où il faut qu'on farme un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des planches, c'est bien, ça m'en fera deux au total, hein, j'en ai en réserve. Et des planches encore, ça me fera tout ce qu'il faut pour les recherches aussi. Allons chercher des raies. Voilà, attention, il faut que j'apprenne à être plus précis là. Ok. Zone est épuisée. Ok. Enfin, je vous avoue, je vais aller voir le panier de crabe. Et je vais tout simplement rentrer. Combien ça vaut les raies? Je sais pas si j'avais. Ouais, je vais voir. Il y a l'air d'avoir un bateau là-bas, tiens. Okay, ouais, ce que j'ai ici est pas top top. Je vais le récupérer. Ouais. Ce serait quand même bien éventuellement que je cherche autre chose. Dragage là-bas. Quitte à trouver des matériaux. Forme dans les profondeurs. Un rouleau de tissu. Ok, donc ça ici, ce sont des rouleaux de tissu. Pièce de recherche. Les rouleaux de tissu. Et je suis plein de toute façon. Ah oui, ça met du temps par contre. Ouais, ça par contre je vais avoir besoin de ceci. Il y a quelque chose ici. Mais le problème c'est que j'ai pas de place. J'ai malheureusement pas de place. Faudrait limite que j'y retourne. Mais je suis fatigué. Alors, le poissonnier. J'ai trouvé ce livre derrière. Ah, un nouveau livre. Canne à pêche, moulinet et gréement. 132.
Ah, les raies, ça rapporte quand même. Hein. Pas mal. Ouais, je sais pas si je peux le vendre, ça. Comme ça, je vais en mettre un qui tient 5 jours. Alors, ils sont un peu plus grands aussi. Mais ça prend de la place. Bon, à la limite, c'est pas très grave. Revenir en ville. Ok. On verra bien le bonus que ça me donnera. Alors, en cale sèche. On avait dit quoi? Un spot de lumière. Oui, mais j'ai des... Je pense que j'ai une planche. Hein. J'avais déjà rajouté une planche ailleurs, je crois. Ouais. En même temps, rouleau de tissu. Permettrait d'avoir un bout de métal parce qu'en fait, il faut que j'achète une lampe. Est-ce que c'est pas moins cher? Non, je peux pas encore. Mais donc, il se rajouterait ici. Non, je pensais que plus on rajoutait les matériaux, moins c'était cher, mais pas du tout, en fait. Les bouts de tissu. Ah, c'est pour les filets. Ouais, de toute façon, ok. Ah, bah, limite, de toute façon. Je pense que. Hop. Faut que je regarde un truc. Ouais, non, non. Celui-là, je suis obligé de le garder. Pour la réserve, au fait. Ah, il mettrait le filet ici, au fait. Ah oui. Ok, c'est comme ça. Mais j'aurais envie de le garder, ça pour. Ah, pour y conduire aussi des filets, c'est aussi. Ok. En fait, oui, je réfléchis à dans ma tête. J'aimerais bien acheter ça, la ligne hydraulique. Ok, il n'y a pas besoin d'avoir de filet pour ça. C'est 410 hein, pour pêcher dans l'océan. En fait, le problème, c'est que je sais pas du tout ce que je veux en vrai. Même la lumière, je fais ça pour le plaisir. C'est pas très grave. Pour le moment, je veux économiser 400 pour pêcher dans l'océan. De toute façon, il faut que j'en débloque un pour pouvoir avoir 5 places en plus dans mon bateau. Alors, ok. Au niveau des recherches, moteur, j'avais pas été forcément plus loin. Casier à clap, c'est fait. Filet, j'ai pas encore. On va déverrouiller ici pour les moteurs. 15 nœuds. Ici, 36 nœuds. 26 nœuds. Et donc, j'imagine que maintenant, dans les moteurs, je peux acheter de nouveau. 200$. Si je le désinstalle, ça me coûte combien? Je le vends combien ça? Ouais, je sais pas. Les plus 15-8. Ouais, en même temps, 15-8, c'est pas. Ah non, celui-là, je peux pas le vendre. Celui-là, c'est 50$. Celui-là coûte 200. Ok. Bon. Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses, des espèces que je n'ai pas encore découvertes dans mon encyclopédie ici, au moelle? Ouais, non. J'ai tout découvert, hein. Et dans les hauts fonds? J'ai tout découvert aussi, hein. Après les raies, c'est ce qui reste, c'est ce qui rapporte le plus. J'ai envie de me dire si j'allais. Ouais. Non, il faut vraiment que je pêche. Il faut vraiment que je farme à fond.
les abominations aussi, ça peut peut-être rapporter. Et ici, j'ai vu qu'il y avait peut-être une abomination. Alors, pêcher. Et c'est un trophée en plus, un croqueur. Ok. Ok. Ça n'a pas pris tant de temps que ça. En même temps, c'était juste à côté. Calamar croqueur. J'ai les deux abominations des calamars que j'ai trouvé. Pas mal. Ok, bah je me suis fait 87$. C'est plutôt bien. Et j'ai pas récupéré de petits artefacts là. Dormons. Et repartons. Là, il y a quelques étoiles. Peut-être quelque chose à faire ici. Le phare surplombe les lieux, les vagues s'écrasent sans cesse contre les dangereux rochers en contrebas. Ok. Combien de temps tiendra-t-elle? Combien avant de tomber en ruine et de devenir inutile, le phare surplombe les lieux. Ok, petit élément histoire. Ah, ici, il y a quelque chose de particulier. Encore. Ok. Cabillaud mordeur. Pas mal. Trophée attrapé. Et regardons un petit peu ici. J'ai envie juste une fois de repartir voir à la petite moelle s'il n'y a pas des quêtes ou des personnes à interroger. Ici, je pense que je peux rien vendre. Ah, le père endeuillé. Ça veut trouver des épaves. Des épaves. Mon fils unique a disparu en mer il y a plusieurs années. Il est toujours là-bas, quelque part, dans une de ses épaves. Tout seul dans ces eaux froides et sombres. Ok. Dites, j'ai remarqué que vous avez du matériel de dragage sur votre bateau. Si vous parvenez à récupérer certaines de ces affaires dans l'épave, il serait sûrement plus en paix s'il m'était confié. Il faut que je récupère une boucle de ceinture. Ok. Une boucle de ceinture en bronze. Phénomènes étranges. Oui, c'est l'ancien maire avant qu'il disparaisse. C'était pas beau à voir. Il hurlait en jetant des choses à la mer. Renvoie-le qu'il répétait. Ok. Bon. Donc sur la carte, bon, on va aller derrière l'île. Dans l'encyclopédie, j'ai le cabillaud épieur ici que j'ai trouvé. Non, le cabillaud mordeur. Ok. Et donc une nouvelle quête. On va pouvoir faire assez facilement, je pense. En tout cas, j'espère. Levons l'ancre. C'est juste derrière. Voilà l'épave en question.
Et voilà la boucle. Par contre, au niveau des matériaux. Vieille chaîne en fer. On va les draguer ici et puis. Hop. Ah, ça c'est bien. Ça sera des pièces de ferraille. J'en ai besoin pour l'architecte. Même si ça prend de la place. Et j'aurai mes deux. Ça veut dire qu'on pourra faire la quête de l'architecte et partir un peu plus au nord. Ouais. Par contre, alors j'ai toujours pas placé ça. Je pense pas que j'aurai encore de la place pour 4. J'essaie de voir si. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Par contre, au niveau timing, là, il va falloir faire attention. Ok. Alors, je vais faire quelque chose d'assez. Particulier, c'est que je vais pas tout de suite. Ah merde, j'ai perdu la vieille chaîne en fer. Ok. Je vais repartir d'abord là-bas pour vendre le poisson qui ne soit pas avarié. Et je sais qu'il y avait une zone de pêche intéressante là-bas. Et puis je reviendrai à l'autre île. Alors. Ah, ils sont avariés. Mince alors, ouais. Donc faut vraiment que je les rende à temps. Ouais, je vais devoir rapporter la boucle de la ceinture. Heureusement que j'ai pas perdu d'ailleurs. Bon, dommage. 74, c'est dommage. La boucle, je sais. Ça, je l'ai pas encore posé, faudrait que je le pose. Bout de métal. Je vais mettre dans la réserve deux bouts de métal. Hop. Deux ferrailles, ça c'est pour l'architecte. Et alors au niveau des recherches. Ah. Ou dans la cale sèche en tout cas pour débloquer. Bah, l'espace pour la lumière, je pourrais le débloquer. Hein. Voilà, ça me coûterait 50. Alors je vais pas le faire maintenant. Mais donc la lumière, ça me coûterait. Si je veux mettre un spot, ça me coûterait 50. Et la charpentière, la nouvelle lampe, me coûterait 275. Donc, spot halogène, une lumière en plus. Je serai donc à 325 $ pour tout ça. Plus les 400 pour pêcher dans l'océan. Ok. Et on va réparer. Ok. Dormons. On va lever l'ancre. On va aller voir le père. Alors le panier de crabe, je pense que je le mettrai sur la route vers le nord. Pour aller vers l'architecte. Père Andelier. Alors la boucle de ceinture. Ouais. Ok, une pièce de recherche. Ouais, pourquoi pas. Pas vraiment ce à quoi je m'attendais. On fait des livraisons vers l'île de Pierre Noire. Ok, bon. On va devoir encore faire un peu de sous. Mais partons vers le nord en vrai. Ok. Ouais. Partons là-bas.
Ça a l'air d'être de grands poissons ici. Ah, je peux pas. Dommage. Je vais mettre le panier de crabe ici. Ah. Alors j'ai terminé la lecture de ce livre. Les cannes à pêche remontent aux poissons 10% plus efficacement. Ok. Le panier de crabe. Voilà. Et alors, la longue vue. Ouais, dragon ici. Parfait. Pièce de recherche. De métal. Ok. Est-ce que là je peux pêcher? Ok. Rien l'air d'avoir de particulier. Mais au moins ça fera un peu de sous. Enfin, si on peut. Mais ça sera avarié au fait, c'est ça le problème encore. Et j'ai même pas la place. Ok, bon. C'est bien là-bas tout droit? Non, c'est plutôt ici. C'est, ouais, c'est pas si loin que ça en vrai. C'est vrai que les distances sur la carte ont toujours l'air assez grandes. Mais pas spécialement en vrai. Ah mais du coup j'espère que j'ai ma réserve ici. Ouais, je pense que ma réserve, je l'ai sur chaque quai. J'espère. Mais pas du tout, en fait. Ah, j'ai un tas de matériaux. Ok, bah, il va falloir aller les rechercher. Ok, j'ai pas ma réserve. Je vais pas dormir. On va rentrer en espérant trouver l'une ou l'autre zone de pêche intéressante. Attention par contre, il faut allumer. Peut-être que dans le panier de crabe, il y aura déjà quelque chose à voir. Ce que je fais pour le moment n'est pas très rentable. Peut-être pêcher. Ok. Anguille parasité. Bon, bah, peut-être que ça me permettra d'avoir ce qu'il faut. Finalement, ça peut-être sauver ma journée de pêche. Alors, poissonnier. 174, ouais. C'est pas mal ça. Mais je peux pas faire en sorte que. Il m'enlève. Bah, il m'avait enlevé un mouchoir, mais c'était peut-être une quête. Ok, 436, ça c'est pas mal. Je dois rien réparer. Je vais juste aller dans les recherches. J'irai bien dans. Au niveau des moteurs ou. Ouais, je sais pas trop en vrai. J'ai envie juste, ce qui est au niveau des recherches, de tout garder. Eh bien, je vais enlever de la réserve
pas mal de choses. L'encyclopédie, l'anguille parasitée. Bah, j'ai une abomination avec les anguilles. 60, hein. Les abominations, ça rapporte. Les filets, j'ai envie de dire, pas pour le moment. Bah, allons vers les canantineux, mangroves, côtes, volcans au fond. Ouais, côte au fond, mangrove, volcan, c'est vraiment ça qu'il me faudrait. Bon, allez, allons-y. Voilà, la canne thermorésistante. Et c'est là, mais je peux toujours pas la débloquer tant que celle-là est pas débloquée, en vrai. Alors, dans la cale sèche. Bah, transformer en espace pour filet, ça je peux le faire maintenant. Des canapés supplémentaires, à mon avis, on sera pas contre. Voilà. Et pour des moteurs en plus, ça pourrait être utile. Mettons tout ça petit à petit, hein, on verra bien. Et je peux acheter par contre à la charpentière, je pense, la ligne hydraulique pour l'océan. Et voici la canne thermorésistante qui est à 330. Voilà. Donc ça, on aura réussi. J'ai fait une erreur. Je viens d'avoir ça en tête. Je me suis dit, mais non, Asgard, les morceaux de bois, t'en as besoin. Heureusement qu'on peut les récupérer. J'aurais besoin des morceaux de bois pour... Voilà. Pour aller chez l'architecte. Hein. Donc on va essayer d'aller pêcher dans l'océan. Je vais dormir. On va essayer de pêcher dans l'océan. Alors j'ai pas dormi beaucoup. Je sais pas si c'est grave ou pas. Ouais, bon, je vais repasser une nuit un peu sans rien faire. Donc là, l'objectif, ça va être d'aller une zone de pêche dans l'océan et chez l'architecte. D'abord aller chez l'architecte, comme c'est assez loin. Et peut-être que là j'aurai une nouvelle quête qui apparaîtra. Parce que j'ai peur qu'en allant d'abord pêcher, puis en partant chez l'architecte, j'ai pas le temps de vendre mon poisson. J'espère que je me suis pas trompé. Il y a tellement de choses à débloquer que... Hop. Alors, j'ai livré tous les matériaux. Ah, mais l'architecte, je dois aller la prévenir. Ok. Bon. On va lever l'ancre. Y a une zone océan ici. Là-bas. Et ici. Bon, allons plutôt là-bas tant qu'on est dans le coin ici. Hop. Alors. Pêchons. Pour la première fois en océan. Réserve basse. Un requin couivre. C'est grand. Mais ça doit valoir des sous. Par contre... J'aurais plus la place. Ça c'est clair. De toute façon, la zone est épuisée. Okay. Bah, tant mieux.
Il y a une zone de dragage avec du avec des matériaux ici. Autant y aller. Bien, bien, bien. Ah, ça sera peut-être pour le négociateur, ça. Sur l'île de la petite moelle. Ouais, des boucles d'oreilles, zone épuisée. Ok. J'ai pas envie que mon poisson soit avarié. Donc on ne fait que passer chez le négociateur, vendre ce qu'il faut et puis let's go. Hein. Plus il fait nuit. Les journées sont tellement courtes. Alors le négociant. Babiole, 25 dollars. Bon, ok. C'est pas dingue. Hein. Pêchons ici. Même si je sais pas ce qu'il va y avoir. Ouais, tout. Ouais, ça sert à rien de pêcher ici. J'aurai pas la place. Tant pis pour le trophée. Prochain objectif, hein, installer le spot, je pense. Et puis les recherches, hein, il faudrait quand même que je commence à agrandir ce bateau. À l'architecte. Un. Faut que je la transporte. Ok. Alors le poissonnier... Ah oui, 174. Ça, c'est pas mal. Et je suis pas repassé voir les crabes. Ok, donc là, je suis à 226. En même temps, côté au fond, je vais pas... Ouais, il faudra que j'agrandisse tout ça. Il y a tellement de petites choses à faire. Prochaine vidéo, en tout cas, il faut que j'aille voir l'architecte, ça c'est certes, enfin que je transporte l'architecte pour gagner sûrement un peu de sous. Il y a le panier de clap qu'il faut que je vois aussi, et puis après il faudra penser clairement à agrandir. Voilà, il y a à faire avec la cale sèche, donc ça demande des matériaux. Et puis après il y a la relique que je dois aller voir aussi dans le sud-est. L'encyclopédie, voilà, le requin cuivre, 100 dollars. 100 dollars, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Tellement de choses à décoder, à découvrir, à collectionner. C'est incroyable. Ce jeu, en tout cas, est très vaste. Hein. On est presque dans un mini open world. On va dire ça comme ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures maritimes. Au revoir.